Bienvenue mesdames et messieurs, merci encore à Nandenge tout le monde en Rambino, toujours dans les cadres et à l'actualité, en Bokanabis. Voilà encore, j'ai le réel plaisir de vous présenter ce nouveau numéro. Il y a l'actualité, il y a l'essentiel d'actualité. Aujourd'hui, nous allons aborder des points par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Hier, nous avons tous suivi la communication à la nation du chef de l'État par rapport à la situation qui se passe. Il y a situation, il y a la République démocratique du Congo, au chef de l'État, a dit qu'il a allégé l'état des sièges dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et voilà, nous allons parler sur la situation qui se prévoit au niveau de l'est de la République démocratique du Congo entre le MV3 et la force et autodéfense, les Oazalendo, Oyolelo. Ça bloqué pour y aller progression. Pourquoi bah freiner. Ouazalé ne va empêcher Ouazalé, ne va bloquer Ouazalé, Ouazalé ne va progresser au Solola Yango. Polémique autour, il y a un candidat à opposition, Martin Fayulu, tacle certains opposants, un candidat à opposition. Martin Fayulu a balouqué les opposants. Oye, Bazaïk n'a pas ensemble. Oye, Bazaïk au Bounde, la Bango, Banek au Bounde ensemble pour un objectif de renverser. Le pouvoir, il a fait Tshisekedi, il a raflé le pouvoir en 2024. Maintenant, les lots, après leur discussion, parce que ça n'a pas pour parler, pour que ça dégage un candidat, il y a opposition. Martin Fayulu se précipite pour le bac et non, il y a rempli les conditions, il y a un candidat président. L'autre fois, je vous avais dit, c'est difficile pour que. Tous ces candidats, Babouaka, Devoni, n'ont pas choisi comme Martin Foller candidat par rapport à ce qui s'est passé. Oui, l'affaire, il y a la mouba. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons en parler, nous allons en parler, nous allons vous laisser encore. Je vais encore vous convier de suivre la vidéo. Il y a le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, Oyo Azako, taclé John Numbi par rapport à. Façon d'ailleurs, il y a poussé, il y a incité quand même l'armée congolaise à se désobéir, à monter coup d'État comme ils ont ça dans le pays. Il y a Afrique. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons en parler au cours de cette l'essentiel de l'actualité. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes branchés sur Top Kinfo, partout où vous nous suivez, surtout notre communauté congolaise, vous a vraiment. Disséminé à travers le monde. Et voilà encore, je le plaisir à vous présenter ce numéro à Top Kin Info. Abonnez-vous massivement, likez, partagez la vidéo. Ma solo est Mbokande et Bandi na Bisso na Top Kin Info. Voilà, mesdames et messieurs, premier point de Tokolobela. La situation, il y a la guerre entre les patriotes, les Oazalendo contre les M23 RDF et l'armée ougandaise. Voilà, la situation est comme bloquée. L'autre fois, nous avons dit que les EAC, ils en ont plein contre la République démocratique du Congo. Ils ont un plan contre la République démocratique du Congo. La force est sous région EAC et y a quitté pour instaurer la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Par rapport à Bangoumondenge Balobak. Donc nous avons dit que non, l'EAC et la RDC non pour mettre la paix, installer la paix en République démocratique du Congo, mais y a qui a un plan moussous. Il y a une annexion en République démocratique du Congo. Il y a une partie à Congo. Et qui est en Ouganda, et qui est en Rwanda. Et Kenya, complice, pour matérialiser le plan à Bango. Voilà aujourd'hui. Les Oazalendo, les Congolais patriotes, au Babi, non. Face à ce qui se passe, face à la traîtrise, il y a un traître et armée. Il y a un officier qui a trahir l'armée congolaise pour permettre à Rwanda, les M23 et RDF, qui puissent partir à la République démocratique du Congo.
et surtout dans l'objectif il y a comme ça l'annexion à partie 1 et selon Batumusu bah comme ils sont unis et comme la république Musu Yasika voilà leur projet il y a quoi annexer RDC na Rwanda une partie na Uganda et le lot et mon ami au vu de tout le monde la façon dont le groupe nous les troupes il y a EAC contingent il y a bah Kenyan na bah Ougandais bah empêcher avancement il y a bah Wazalendo bah empêcher bah moi mais quand les Wazalendo bah ça les moins repris par rapport il y a blocage il y a contingent il y a EAC il y a groupe il y a force kenyane na ougandaise oh le lo R bah on bah ça il recule bango bah qui bah petit passage na M23 aya qu'on récupère encore quelques villages yo les Wazalendo de Bakipa qui sont les verts Kichanga Kiwanja voilà parce que Kichanga déjà ils ont occupé et heureusement la force loyaliste les FARDC bah installé déjà na Massis Basali déjà une base na Katia Massis alors on ne comprend pas les plans aujourd'hui il y a groupe il y a EAC contingent surtout il y a ba Kenya na ba Ougandais oyo après avoir les Wazalendo basali requis ma peste maintenant passage na M23 RDF ba occupé place les Wazalendo basalaki voilà un complot oyo les Congolais ba comprendre vraiment que non les plans ou mission il y a EAC il y a quitté pour Nakotia qui vient la République démocratique qu'on appartient à est on la République démocratique du Congo et la raison pour laquelle aux Omona bangoni a volé il y a ba réunion na bango il y a ba évaluation na bango bazo pousser toujours la République démocratique du Congo à négocier avec les M23 aussi longtemps que la République démocratique du Congo avait pris une position la position pas question de négociation mais respect il y a encore il y a Luanda na Kenya et aux Hollande même les facilitateurs ou Kenyatta qui est aussi par contre tu faut considérer comme c'était traître numéro 1 il y a EAC ou à zone discours il y a comme ça là il y a qu'on négocie na Rwanda aussi longtemps que il y a un accord accord réserve Rwanda accord il y a Kenya Zali comment alors token de négociation si longtemps que non les M23 nanou baké précantonnement pour négocier ton ba la République démocratique du Congo va négocier quoi va négocier quoi et voilà l'avancée ya wa Wazalendo bloqué mais va permettre M23 à réoccuper encore le village yo Wazalendo azala ki na yango ba pesi Wazalendo pas ba pesi les M23 ba côté bon comme d'habitude et le plus grave encore, selon la nouvelle, il y a société civile qui non. M23 est réoccupé encore une fois, massacré, bengani même la population, il y a village joint. Traité. Le M23. Alors, il faut toujours continuer dans le caprice, où il y a soit, il y a un arrangement, il y a cessé les faits. Il faut toujours continuer à cesser les faits. Bien que. Le gouvernement a décidé que non, et à 16 qu'il est le 8 décembre. Le Wazalendo ne peut pas passer 48 heures. Il y a EAC va quitter. Les 48 heures, ils ont inspiré les lots. Ils ont inspiré les lots. Est-ce que Bango Kendete, bien que le gouvernement avait interdit Naba Wazalendo, au-delà, il y a la décision, il y a le gouvernement, il va respecter la loi à Mbok. Maintenant, face à ce qui s'est passé, on va bloquer au Wazalé, nous pas patriotes congolais. On va dire que nous allons défendre ma belle na bango. Balobi vaut mieux mourir dans le fond que au coup Fernanda. Pour la mort est inévitable. Bisogno se toko kufa. Nous allons goûter la mort. Alors elle, ma femme, au Wazalé en front. Basa koloba na Swahili. Sors ba vaina ndako. Bako kufa
un 20 ans, pour que vous ayez un préféré que vous fassiez avec honneur dans fond pour défendre la République démocratique du Congo. Vous voyez comment? Kufa ni kawaida. Hata ningekuwa nyumbani, ningekufa tu. Mimi ni kufe na niko apigania nchi yangu. Fika usiku unafanya nini? Tunampiga. Hadi akifika usiku tunapambana tu naye tunamkimbiza. Kwa jua si hana force ya kupigana na shishi. Huko kuna mvua na baridi lakini naona hauvaa hata koti. Hakuna. Hata na baridi na mvua tushazoea. Voilà, mesdames et messieurs, Boulandi, ma compatriote, déterminée à partir est. Un centimètre, écoutez, à la République démocratique du Congo. Et voilà, chanson au Congo Zanamo. Par rapport à ma pays Moussous, l'amour du patrie. Divergence et Rosa. Entre nous les Congolais. Voilà particularité à bas congolais. Particularité à bas congolais. La RDC ouvrier. Voilà, mesdames et messieurs. Et là, vous avez tout le monde, moi, mon premier point d'abisso. Il y a complicité à Mounen et à EAC. Ceux qui ont pensé que la République démocratique du Congo a mal signé les accords. Il y a entrée, pardon, il y a entrée dans la EAC. Voilà les résultats. Les résultats en gros. Donc, nous sommes obligés, comme le gouvernement a pris une décision, que les EAC faut quitter le sol congolais le 8 décembre 2023. Il ne faut pas quitter. Ils ont échoué. Ils ont favorisé l'ennemi à Congo, qui est Rwanda. Et voilà. Nous pensons réellement la position qu'a pris le gouvernement de la République démocratique du Congo de mettre fin à la coopération entre EAC, la coopération militaire entre EAC et la République démocratique du Congo. Et aboutir de l'autre côté. Et voilà un complot, mais je ne crois pas avec la détermination les Wazalendo, la stratégie à Wazalendo, je crois qu'ils vont contourner les contingents kenyans et burundais, naba soudanais, ils vont contourner malgré ce qui s'est passé, blocage, il y a ma contingent. Alors, nous croyons, nous soutenons aussi les compatriotes, patriotes, les Wazalendo. Oui, bah ça comme ça, pour ma belle à Congo. On ne peut plus continuer. Il y a qu'on contacte ma mort, il y a un massacre. Et aujourd'hui, la position qu'a pris le président de la République. Il y a le soupissement, il y a état de siège. Et ça aussi malade. Et ça aussi malade. Voilà, mesdames et messieurs, le premier point, nous avons voulu aborder sur la situation, il y a les Wazalendo, la guerre entre la force patriotique, les Wazalendo et les M23. Comme décision de il faut tous en découdre la banque. En attendant, l'armée a causé la cesser les femmes jusqu'à la solution soit causée au matin. Je crois que la force armée congolaise, les FARDC vont agir autrement. Il faut maintenant faire la guerre. Voilà, mesdames et messieurs. Ça, c'était notre premier point que nous avons abordé et nous allons prendre maintenant le second point qui est les élections en République démocratique du Congo. Bataille, il y avait élection. Tension, il y avait élection mardi. Tolanda qui fait Tshisekedi.
sa déclaration après qu'on déposé candidature naï. Comment il réchauffa qui les camps adversaires, ma adversaire les camps adverses. Les adversaires n'ont pas qui chauffé. Toyoka qui va réaction, Moïse Katumba réagir. A réagir sur SCPT, ex-onatre. Ndenge ba train tombe en faillite, na bénéfice, ya ye a créé ba, ba remorque, na ye ba mi touka na ye po et transportaka, ba cuivre. Au détriment, ya OCPT, ya onatrap, ya SCPT. Katumba réagit ça. Tout le monde dit John Numba, ça qui peut apparition. Tout le monde dit FCCP, ça qui peut apparition. Batignos est créé qui tolé. Et aujourd'hui, l'opposition avait pris une position. Tous les candidats de l'opposition, les candidats présidents de l'opposition, il y a eu un pourparler, malgré un retard. Entre les candidats présidents de la République de l'opposition, comme je vous ai dit tantôt, que non, bien que l'initiative est en retard. Yakoyokan, pour sortir un candidat de l'opposition qui fera face contre Félix Tshisekedi le 20 décembre 2023. Pendant pour parler, au moment où on va parler, il y a des pourparlers, mais il y a un petit blocage, un petit souci entre Bango. Et pendant qu'il y a des pourparlers, il y a des négociations pour dégager un consensus afin de permettre Bango de désigner un candidat de l'opposition. Martin Fayoul veut encore enflammer, veut encore allumer les feux, veut encore provoquer certains candidats au Bazaki n'a pas ensemble. Oh, il va partager la source ou ma vie, ma même point de vue. Oh, il est là que non, l'amour est kamouana. Il y a tiké dans l'amour, il y a un vrai l'amour, même si je suis dans l'amour, il y a un vrai l'amour. Oh, bah, on va le mettre que non, l'amour est un peuple. L'amour aujourd'hui est un peuple. Pour le peuple, on peut pas kamouana. Le peuple, il y a un gamou. Peuple Moussou Bakena a baqué côté Moussou. Et Bakena qui, plus loin, il y a pas de ça la bloc patriotique. Et Boutissa qui n'est pas de la bloc patriotique. Aujourd'hui, Martin Fayoul défie tous les candidats. Tous les candidats présidents de la République. Alors, bien que non. Lui, il est populaire. Il a des assises partout dans la République démocratique du Congo. Le parti est mieux planté. Donc, pour Naye, alopi, il y a des critères. Il y a des critères depuis 2017. Il y a des critères à Genève, à Afrique du Sud, il y a des critères pour être désigné candidat et opposition. Voilà les critères. Parmi les critères, il faut que ça parte à la assis dans la province Nyonso. À l'époque, c'est l'IDPS. Oyo, Azaïk a rempli la condition Nyonso. Malgré ce qui s'est passé à Genève, après l'IDPS, il y a l'INC. Il y a Excellence Vital Kamir, VPM et Économie. C'était les deux partis qui remplissaient les conditions de l'Union désignées en Afrique du Sud, avant pas qu'il y ait Genève. C'est l'idée. Aujourd'hui, Martin Fayoul s'est dit personne. Parmi les candidats opposants, il faut faire face à eux. Parce que plus loin, on critique les gens. Quand on a dit ça, on a dit ça, on a dit ça.
Il y a côté ici qui est éternel. Gestion, bah participe à la gestion. Depuis Kabila, Tilelo. Est-ce que Baruko faire Baruko représenter le peuple congolais, les candidats et opposition. Martin Fayoul déjà a dévancé Bango en vitesse pour bloquer la machine. Aujourd'hui, Martin Fayoul a dit que non. Le candidat ne peut être candidat de l'opposition. Soka outika kana SIDT. Les a placés mon sous-souté. Pour les SID remplis de critères. Ils ont rempli pour être élus. Est-ce qu'il y a un Toloba qui? Le pourparleur va n'être au Loba. Avec ma réalité, on va connaître qui? Et pas à Fayoul. Il sera difficile. Ma Moïse Katumbi. Ma qui encore? Ma Franck Diongo. Ma Délice Sanga. Va porter Fayoul comme leur candidat. Par rapport à la réalité, les caca. La politique. Je suis dit la réalité. Nous nous maîtrisons. Tu as dit que je suis 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 dit que vu ce qui s'est passé, je suis quand même leçon. Alors, Martin Fayoul, il a compris que pour ne pas soutenir encore pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois. Et que ça allait être difficile. Il fallait maintenant activer la machine. Les machines. À imposer Bango. Et surtout, ces candidats députés nationaux, dans la province, dans la municipale, vont déposer à quitter. Martin Fayoul. Amibé Titolo, à l'objet qu'il y a à Koka, il y a des Koka, mais toujours en bas au Koka, l'autre côté. Et voilà, l'air pour parler, place est bloquée. À comparer à Tali, Mukwege ne représente rien. Mukwege ne représente rien. Moïse Katumba a un problème, ma problème est ça. Frank Idong, ah non, il y a écouté. Tous ces candidats, ils se référaient à Mukwege, à Moïse Katumbi. Ils se référaient à Moïse Katumbi, à Mukwege. Et à Tali, on a balancé, on a pesé tes défenses. Et surtout, la Mouka n'a pas pesé tes défenses. Il faut avoir une position de ça. Ce qui est bon, c'est que tu as donc, les pourparlers sont continués. Les candidats, il y a. Les candidats, il y a opposition. Difficile le choix. Et il y a déjà des décors politiques, exactement, salama, par rapport à la loi. Il y a des pères et des mères. Oh, déjà, tu sentis déjà la position est ensemble pour soutenir Denis Mukwege. Mais Denis Mukwege va-t-il s'en sortir? Même dans le Nord Kivu, Sud Kivu, il n'y a pas voté. Alors, pour que la réalité soit, le prix Nobel, il n'y a pas de. Et lui aussi a un problème de nationalité. Il y a des gens. Il n'est pas 100% congolais. Il n'est pas de père et de mère. Voilà la raison pour laquelle Martin Fayoul aussi a bombé la torse. Pour dire que Ngaï Kak, tout le monde est redynamisation. Oui, c'est ça, mon abandon. Pour dire à Pessi réponse aussi, Namouzito, Kaza aussi. À constater que nos bandes nous abandonnent. Voilà, mesdames et messieurs. Mukwege a un problème. Mukwege a un problème avec des femmes.
tous les prix Nobel oh bah pesa et pas occidentaux. C'était juste y'a qu'on préparer. Malgré y'a pas d'accord n'a encore ta politique mais il a été forcé par la communauté internationale. Y'a un bon monnaie bimi à la veille, ça même préparé ma base à ma case. Ils ont compté dans la société civile. Et par rapport au prix Nobel, il y a Pé Sakai, réparateur de femmes. Oh, le président de la République qui a réparé une femme, qui a confondu la réparation de la femme dans la réparation au Congo. Bitou Manaka est en opposition. Bon, dans la vidéo, il y a maman. Oh. Ou à cette révélation sur Denis Mukwege. Comment Denis Mukwege a manipulé les femmes. Et puis on se retrouve juste après. Moi je ne comprends pas. Quand tout le monde est en train de nous dire que Mukwege a un exemple pour les femmes, il y a un Mbassumba, parce qu'il y a Est, les réparateurs des femmes. Donc pour Mukwege, nous toutes les femmes de l'Est, tous les qui sont pareils. Oh, il fallait hier, on a tripoté, on a dit ça à l'ingi. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? En quoi est-ce que Mukwege nous a été utile? En quoi est-ce qu'il nous a aidé? Les débuts là, tant que je vais violer les bandits, la guerre, on a Rwanda, la côte, oui, c'était du vrai. Voilà, il était à Rwanda, les mères, on a ouvert la Kuna. C'était du vrai. Mais après, quelques temps, il y a eu comme un cop. Il y a eu ses frères, ma trophée. Il y a eu comme une personne, ma prix Nobel. Moi je suis du Kivu, je suis Fibek. Nazo Yabisabino, on a eu des souffrances dans Moukim. Mukwege a présenté la femme du Kivu, la femme de l'Est, comme une femme violée. Donc nous toutes les femmes de l'Est, nous avons des difficultés. Il y a une chance à Mibali Balinabiso, les hommes nous voyaient des femmes violées, violées. Je pense que vous tous vous êtes témoins. Lorsque Madame Denise Zona, journaliste à l'Obaka Bassini à Est, viola, 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 viola. Et là, au moins, dit tout haut ce qui s'est dit tout bas. Maintenant, vous voulez nous montrer que, dans l'élection présidentielle, Oyo, Mukwege le meilleur parce que c'est de s'occuper de ma femme. Quelle femme? Nous avons été des instruments, nous avons été des victimes de Mukwege que Mukwege avait présenté. Nous, on pensait que c'était pour le trophée ONG tout consort. Alors maintenant, comme candidat député présidentiel, on a compris maintenant les jeux. Donc, Mukwege, pour naïe, bisous aux amis, ma sandouk. Ou il faut que ça me l'enzame, batouba koufa, pour attaquer ma sandouk naïe. Et qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas lui-même qui peut financer les guerres de l'Est pour que Kakayazo va trophée à cause de les femmes violées, violées, violées. Je suis en train de dire des choses que je connais très bien. Nazala, la commission pour la société civile, tout le monde a une enquête pour la Makababa viol. Bastien Mobazala qui wapi. Écoute, ne nous trompez pas. Mais le président Félix Antoine Tshisekedi, c'est le meilleur par rapport à Bassi. Depuis Zahir et Zahir, Congo et Congo. Le seul président de la République où il y a pas de valeur dans moi, c'est Congolais, c'est Fati. Fati a bimé, si on a 3% de femmes, il y a ma ministère, il y a ma poste de décision, a commis si on a 34. Depuis Mobutu, depuis Kassavou. Tito comme la Kabila. Boyoka moi aussi, as un ministre, il y a portefeuille, ministre, il y a justice, ministre, il y a plan, ministre, il y a travail, ministre, VPM, il y a environnement, ministre, il y a mine. Bakissa sous banque centrale, ça c'est les œuvres du président Félix Antoine Tshisekedi. Alors, pourquoi que nous conservons si à Congo, que nous pouvons les réparateurs, il y a Sumba biso ya wap, mouto Sumba biso ya fati. Moutalongo, ils sont à Sony, à Kozanga, à 100 francs, à Pessi, ils sont misalés à solo. Quand les femmes se retrouvent, dans ma messe, ils seraient ma décision, ils sont au Kamatama. C'est la personne qui nous a été. Donc, toutes les femmes congolaises, c'est au Songo Zalima Yele. Le candidat de la femme, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi. Et en plus, il a soukeli wanate. Alors, je serai succédé par une femme. Hein? Donc, voter Fatih, cela veut dire, hein? Kotomo la moisi. Et ne vous en faites pas, la Bible dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Éduquer une seule femme, c'est éduquer toute une nation. N'est-ce pas, tu as un investissement dans la carte à Bassi. Ate ma babalabala.
à Salaninte, nous, toutes les femmes de la RDC, nous nous retrouvons devant Fati et non devant Mukwege. Mukwege nous a humiliés. Il nous a présentés comme des femmes violées, violées. Nous, Bassia Est, Yangwan, Awatozalina Kachalabo. Nous sommes en train de nous préparer. Mukwege, tu reconnais la justice. Donc, tout ce temps-là, tu nous humiliais, tu couffais ma célibataire. Parce qu'on attendait partout, tous les hommes nous disaient que nous sommes violés. Mukwege, tu reconnais la justice. Tozo se prépare en conséquence, tu reportais aux plaintes. Ça, c'est la vérité. Je pense que c'est la vérité. Je sais que ma est belle ou aussi que la maille, tout le m'a dit n'importe quoi. Je m'en fous dans la vérité. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi la dame qui a réagi fortement contre la candidature de Denis Mukwege. Denis Mukwege a bébé ça. Réputation de ma femme à Est. Et belle, bazaba célibataire pour na Denis Mukwege. Or, ma vérité, boyoki Denis Mukwege m'a dit ça. Pour le moyen à joie, financement, n'empande, selon la dame que vous venez de suivre. Donc, pour terminer, je pense que l'opposition congolaise a un grand problème. Le lobby n'a pas ça, une organisation, Bangomoko Initiative, il y a ma Congolais. L'autre fois, c'était les Occidentaux qui ont voulu que les gens s'opposent encore. Mais la réalité de la bête de la Guinée, ils arrivent autrement. Il y a eu des traîtres par rapport à des critères. Oh, le jour, Martin Fayou a vanté, a rempli les critères. À l'époque, c'est l'UDPS qui remplissait les critères pour les gens qui sont candidats et opposition. Suivi de l'INC, tu es bien au Salamaki. Martin Fayou a oublié qui n'avait pas des assises, a été assis dans tout sur le plan. Il y a parti n'est implanté dans la République démocratique du Congo. Et voilà aujourd'hui l'opposition congolaise est dans la chance parce que bazo travailler selon ma pensée na bangote. Bazo faire gober bango. Ma pensée ça qu'on en Occident. Bazo ko brader la souveraineté de la République démocratique du Congo na ba étranger. Bazo bimisa Congo incapable. Bango moko be bazo ba incapable. Il faut l'appui ya ba occidentaux. La souveraineté il y a Congo, bazo bradé en. Alors comme ils ont dit ça que nous Congo tous en a sept au kokaté ils sont moko, il faut bango kaka. Il faut les occidentaux baya. Et face il y a un régime moyo. Malgré il y a des ratés. Fait que les azana bato bazo ko accompagner vraiment bien. Sinon Congo il y a un changement déjà. La quinquena au accompagner été au pays à énerver les occident les occidentaux. Vous savez, je vais vous dire une chose, n'a si commis la bacaré minier bas chinois bas dans la bacaré minier bas au ligne fait ce qu'elle dit parce que vous fait ce qu'elle a coincé dans votre. Bango candidat ya ba chinois. Ma tata mpona. Pourquoi ba chinois ba lingi ma tata mpona? Non fait ti sekete. Vous allez comprendre que non. Il y a quelque chose. Oyo ba zaina ba facilité ba dansa n'importe quoi, ils asus bongo vraiment bien que il y a certains nous. Na nous me vendi bien tes mains. Les Chinois, ils ont mal à l'aise. J'ai eu à échanger avec un Chinois. Dans une bonne entreprise. Avec ma collaborateur à Chinois, pardon. Nos ma Congolais n'a pas. Ce qui se passe, réalité. Il y a un la révision de ma contrat.
Voilà, mesdames et messieurs, nous allons revenir prochainement dans un dossier Wana, Tokobetongoma Solo, comme nous sommes dans la période où nous touchons vers les élections, les tensions ils ont de partout, ils ont ça chauffe. Alors, nous allons revenir prochainement dans ma numéro Moussousou. Merci à Mignon Sobozaki Bélé, Rolanda Bissot. Tokoutani prochainement dans ma numéro Moussousou. Portez-vous bien. Bye bye.